Je viens de découper le beurre en dés. Je vais le laisser ramollir un tout petit peu pour que ça fasse sous forme de pommade. Voici mes œufs, mes citrons et mon sucre. Donc, du coup, je vais découper les citrons en zeste que je vais pouvoir les mettre dans la poêle. Cette fois-ci, je vais faire à la poêle pour avoir le jeu à la poêle. Je vais tester comme ça. Ça me changera la casserole. A tout de suite. Après avoir coupé les zestes et les avoir mis dans la poêle, je vais pouvoir presser les citrons. En attendant que le jus de citron soit bien fait, je vais pouvoir retourner à mon beurre. Après avoir laissé ramollir le beurre, je l'ai malaxé pour ça forme une belle boule sous forme de pommade. Et nickel. Donc après avoir mis le beurre fondu dans la préparation de la pâte brisée, parce que ça va être pour la pâte brisée, faite maison, je vais mélanger tout ça à la spatule et puis après mélanger, je vous montre tout ça. Après avoir mélangé avec la spatule, je vais terminer de malaxer avec les mains pour faire une belle boule. Je vous montrerai la boule juste après. Voici la boule après l'avoir malaxée et modelée. Je vais la laisser un peu reposer, le temps que je vais retirer le zeste de citron et mélanger les restants ingrédients. A tout de suite. Alors, du coup, la raison pour laquelle j'avais voulu prendre la poêle, parce qu'au moins ce sera plus rapide pour enlever les zestes et sera beaucoup plus facile. Que dans la casserole, c'est un peu profond. Donc ça fera que de retomber. Au moins avec ça, ça sera beaucoup plus rapide. Voici, ça va bientôt être fini. Tac, séparer si c'est à côté. Car 60 c'est juste pour séparer. Donc si vous laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, si ça vous intéresse. Si vous voulez d'autres petites vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Merci. Je vais laisser refroidir du coup le petit jus de citron. Puis après j'incorporerai tous les restant des ingrédients qui se trouvent juste ici. Mon beurre que je viens de préparer. Mes deux œufs et mon sucre. Voilà. Donc en attendant de laisser refroidir le jus, je vais étaler la pâte. La boule que j'ai faite tout à l'heure. Donc après avoir étalé ma pâte à la main, je vais prendre le petit cercle, me faire
des ronds, que après je les formerai en boules, et après je les disposerai sur mes assiettes, et je les remettrai au frais, bah à cause du beurre, c'est pour ça, je les remets à peu au frais. Donc là pour l'instant j'ai fait deux boules, je vais en refaire d'autres, mais celles-ci du coup je les mets au frais maintenant, laisser refroidir, et puis une fois que ça sera bien froid, pour que la pâte soit bien compacte, pour que le beurre soit recompact, parce qu'il y fond quand même. Voici. À tout de suite. J'ai été faire fondre le beurre. Je vais rajouter le sucre, les œufs, du coup dans la salade que j'étais lavé. Puis après, je vais rajouter le jus de citron à l'intérieur et puis tout mélanger. Je vais encore mélanger encore un tout petit peu. Et pour moi, il m'a l'air déjà très bien. C'est un beau jaune. Donc du coup, je vais le laisser refroidir, je vais le mettre au frais. Parce que ça va être du coup un ingrédient que je vais rajouter par-dessus. Une petite forme de pâte de poule. Donc du coup c'est un beau jaune. Je vais le mettre au frigo. Oui, je l'ai mis dans mon deuxième petit frigo. Bon, je vais pouvoir les ressortir. Et après, je les aplatirai, puis je ferai tout le reste, et puis je vous montrerai tout à la fin quand tout sera fini pour vous montrer ce que c'est. Tout de suite.